Salut chers téléspectateurs de Téléafrique, je suis Dadou-Henri Joël Zama et comme vous le constatez derrière, vous voyez bien Wizodia. C'est une entreprise qui intervient dans le domaine de l'immobilier et le bâtiment. Donc ça fait pas mal d'années que l'entreprise existe. Je connaissais Wizodia grâce à la télévision, la RTI, mais aussi d'autres émissions télévisées. Et un de mes abonnés parmi vous m'a contacté depuis les États-Unis, qui était client chez Wizodia, qui m'a envoyé pour investiguer et puis voilà, vérifier ses terrains. Et effectivement, tout existait. Je suis allé sur le terrain. Vous avez déjà vu les précédentes vidéos où je vous présentais ces terrains-là. Donc aujourd'hui, je suis au siège de Wizodia et nous allons croiser toute l'équipe que vous contactez jour et nuit. Donc abonnez-vous sur Téléafrique, activez la cloche de notification. Partager les vidéos pour que nous puissions agrandir notre audience. L'objectif de Téléafrique, c'est de permettre à tous ces Ivoiriens qui sont à l'extérieur de pouvoir quand même avoir un toit chez eux, peu importe l'endroit, peu importe votre catégorie sociale, mais essayez de vous battre et comme nous le faisons, nous sommes tous membres de la diaspora. Voilà pourquoi nous avons mis en place ces différentes plateformes-là pour qu'on puisse s'entraider et pour que l'Afrique puisse gagner. Donc, tout de suite, là, le directeur va me recevoir. Donc, le directeur, il est juste derrière. Voilà. Je vais tourner la caméra, comme ça, on pourra faire un petit entretien et puis, voilà, visiter le site. Attendez. Hein. Après, bonjour, monsieur Manza. Oui, bonjour. Voilà, vous pouvez vous présenter. Je suis Lionel Manson, le cofondateur du groupe Wizodia. Et donc, bienvenue chez nous. Merci. Donc, vous pouvez nous présenter un peu l'équipe et après, on aura un entretien. Pour que vous nous présentiez exactement ce que vous faites D'accord. et puis ce que vous avez déjà fait et qu'est-ce que vous allez dire aux Ivoiriens qui sont à l'extérieur, mais aussi les Africains qui aiment beaucoup la Côte d'Ivoire aussi. Ça D'accord. peut être des Européens, tout le monde, ceux qui veulent investir en Côte Effectivement. d'Ivoire, avoir un toit. Exactement. De toute façon, on ne va pas beaucoup vous fatiguer hein, parce que vous êtes arrivé, ça fait juste quelques jours là. Mais voilà, si vous pouvez nous présenter un peu les personnels, ça pourrait nous Ok, d'accord. Donc là, je suis ici, vous êtes au siège de Wizodia Côte d'Ivoire, situé à la Riviera, à Togo, dernier de la ville. Donc là, vous avez en fait l'équipe commerciale, donc chargée D'accord, ça de. c'est. Voilà, donc voilà, Miss Koulibaly. Voilà. Et vous avez aussi Monsieur Pligui, Monsieur Fidji. le responsable commercial. Et là, vous avez en fait le chargé juridique, donc Monsieur Zeta, et le D'accord. chargé de communication, Monsieur Salomon. Enchanté, les frères. En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup ce que vous faites, hein, parce que depuis que je suis arrivé, ah, on n'a pas encore fini, hein. Oui, D'accord. voilà. Donc, il y a Monsieur Ouattara qui est le directeur de Waouh! Wizodia Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Donc, je pense qu'on va s'attendre. Il n'y a pas de souci. Et à l'accueil. Et bien, à la Miss Wilson. Merci la dernière fois pour manger. Voilà. Donc, c'est une équipe très jeune, hein. Comme vous les voyez là. Vous pouvez aller dans les archives de RTI, voir déjà les émissions. Exactement. Made in Africa, qui s'est déjà passé, je pense, en 2019 ou bien. Donc 2020, c'est en en 2020, 2020, oui. 2020. En 2020, Made in Africa. Vous pouvez aussi chercher sur YouTube, vous allez voir. Donc, ici, M. Ouattara, M. Manza, si vous pouvez Ok, nous on donner va un aller peu dans de. le bureau et D'accord, il n'y a pas pour de souci. échanger. Ça marche, il n'y a Ouais, pas de d'accord. souci. Voilà, on va dans le QG. D'accord. Merci beaucoup hein, de nous recevoir. Ok, Asseyez-vous. merci. D'accord, donc pour vous, mes internautes, je vais me mettre à votre place. Toutes les questions que je pense que ça sera toutes les questions parce que je vais vraiment me mettre dans la peau d'un client. Donc, Monsieur Manza, juste la première des choses, déjà vous allez présenter l'entreprise, ce n'est pas un souci, C'est ça. mais on va commencer par une question que les internautes posent toujours, la première question. C'est qu'il y a eu beaucoup de sociétés qui ont lancé des promotions immobilières qui n'ont pas abouti, les maisons ont été abandonnées, il y a eu beaucoup de choses. Et là, du coup, vous avez créé cette plateforme depuis l'Europe. Et aussi une autre plateforme ici en Côte d'Ivoire, ça fait quand même pas mal d'années et actuellement la demande est plus que l'offre. Quel est le déclic qui a donné cette confiance-là aux internautes? Quelle est la D'accord. différence entre vous et puis les autres? Exactement. C'est ça. Donc en fait, c'est que moi je suis issu de la diaspora, hein. Je suis issu de la diaspora comme aussi M. Ouattara, directeur de
la filiale Isotia Côte d'Ivoire. Donc il faut savoir qu'il y a de cela en fait 6 ans en arrière, donc nous, moi qui résidais en fait en France avec pas mal de personnes en fait déjà, donc des amis, on avait voulu en fait investir en fait en Afrique. J'avais mon associé en fait togolais qui en fait voulait construire au pays et il s'est passé en fait 2 ans pour qu'il puisse avoir reçu qui lui en fait signifiait qu'il était propriétaire. Donc nous sommes dit en fait si aujourd'hui avec la technologie on a la possibilité de commander en fait une aiguille en Chine et de savoir exactement tout le chemin que ça parcourt pour arriver en fait à notre résidence, pourquoi on a du mal en Afrique à réaliser un projet immobilier, ne pas savoir concrètement comment ça se passe lorsqu'on est à l'étranger. Donc c'est depuis en fait cette réflexion qu'il y a 4 ans de cela, donc nous avons en fait créé Isotia. Donc Isotia en fait c'est une structure immobilière qui a pour premier objectif de sécuriser vraiment les projets immobiliers des personnes de la diaspora qui vivent à l'étranger, qui n'ont pas la possibilité de venir sur place pour venir réaliser leur projet. Donc nous intervenons dans tous les corps de métier dans l'immobilier, que ce soit dans l'acquisition de terrain, donc déjà de parcelles sécurisées, donc toutes les démarches administratives également, nous le faisons à la place du client sans qu'il ait à se déplacer. Et nos constructions également, donc sur des terrains déjà acquis, nous fournissons des terrains sur lesquels nous construisons également selon des plans souhaités. Donc voilà, donc pour répondre en fait justement à ta question, lorsque tu disais en fait il y a pas mal de promotions immobilières justement qui ont vu le jour et qui ne sont pas terminées, exactement c'est vraiment malheureusement le constat, hein, c'est le constat qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a souvent des promotions immobilières qui ne se terminent pas, et c'est justement pour ça que nous aussi également, nous avons mis en place ce qu'on appelle, c'est un projet innovant, parce que ce qu'on fait, les seuls à le faire aujourd'hui sur Abidjan, sont des programmes immobiliers individualisés. Ça veut dire que le client a la possibilité de choisir en fait la localité où il souhaite avoir sa maison, de choisir chez nous le terrain et de bénéficier d'un package terrain plus maison, où nous fournissons le terrain et nous construisons sur plan la maison de son choix. Donc ce n'est pas une promotion immobilière, c'est en fait plutôt une maison personnalisée qu'il aura loisir de modifier en avant de phase, et nous fournissons en fait tous les éléments, toutes les formalités administratives, nous les effectuons à sa place pour qu'il ait en fait la maison construite sur le terrain de son choix. D'accord, c'est très bien. Donc chers internautes, si vous avez vu que j'ai commencé par cette question, c'est toujours la première question qui vient en tête. Est-ce que c'est pas de l'arnaque? Est-ce que c'est pas comme ça? En fait, l'objectif de Isotia, si vous avez bien compris, c'est pour éviter en fait l'arnaque et puis les détournements au niveau de la famille et tout ça. C'est ce qui a motivé les entrepreneurs de Isotia de mettre en place ces structures-là. Pour pouvoir faire ces démarches-là, pour vous savez dire quoi? Avec Isotia, vous n'avez plus besoin d'un ami à qui vous allez envoyer l'argent pour aller faire. Vous pouvez tout faire avec Isotia, tout ce qu'il y a comme démarche administrative, c'est-à-dire même si vous voulez payer votre terrain à Tingrela, vous contactez Isotia, s'ils ont un terrain là-bas, ils achètent pour vous, ils sécurisent le terrain pour vous, et puis vous pouvez envoyer votre parent ou bien quelqu'un qui est sur place pour aller vérifier pour vous, vérifier les documents, il n'y a aucun souci. Les transactions, tout est au niveau de la banque, vous avez vos reçus, vous avez vos paiements. Voilà, donc c'était juste pour éclaircir, oui. Oui, en fait, je voulais compléter aussi, oui, par rapport à ce que tu disais, c'est que justement, en fait, on a un service qu'on a développé, qui est un service de vérification, d'accompagnement dans l'acquisition d'un terrain tierce. Ça veut dire que si quelqu'un est aux États-Unis et souhaite acheter un terrain à Bassam, par exemple, et qu'il a vu une offre sur Internet, il a la possibilité de contacter Isotia. Donc nous, nous avons des experts qui vont effectuer tout d'abord la vérification des documents du cédant, s'assurer que le cédant il intervient vraiment en qualité de réel propriétaire. Donc nous effectuons une batterie de vérification au ministère pour déjà sécuriser l'offre. Et une fois que l'offre elle est validée par nos services, nous l'accompagnons dans l'acquisition de son terrain et dans les formalités administratives post-acquisition. Donc ça veut dire que c'est vraiment un accompagnement global qu'on fait, même si l'offre de terrain ne vient pas de Isotia, donc on a la possibilité de les accompagner sur un terrain chez une personne tierce. D'accord.
Et donc, on est là dans, vraiment, on est dans le sujet. C'est ça. Donc, en plus de ça aussi, au niveau des... Parce que les clients, surtout parlant de terrain, beaucoup sont concentrés sur l'ACD. Exactement. Voilà. Mmh. Exactement. Est-ce que vous pouvez expliquer le problème? Et sans ACD, est-ce que je peux construire? Je sais que ce n'est pas votre domaine côté juridique, mais déjà, puisque vous êtes une entreprise, vous construisez pour les gens. C'est ça. Vous avez plus, plus d'expérience dans ce domaine-là. Exactement. Donc, le problème de l'ACD, comment ça se passe? Alors, vous fournissez les terrains avec les ACD, vous pouvez faire les ACD pour les clients. Comment ça se passe exactement? C'est que les clients puissent comprendre. D'accord. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'ACD, l'arrêté de concession définitive, c'est le titre officiel en Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce qui donne pleine propriété d'une parcelle. Donc, aujourd'hui, légalement, tout terrain doit avoir un ACD in fine. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a pas mal de terrains aujourd'hui qui ne disposent pas encore de l'ACD parce que ce sont des terrains qui sont issus du domaine villageois. Ils sont issus du domaine villageois. Donc voilà, donc pour ces terrains-là, ce qu'il faut faire, c'est que lorsqu'on l'acquiert, il faut immédiatement enclencher toutes les formalités administratives jusqu'à la CD. Ce que nous faisons. C'est-à-dire que si quelqu'un en fait veut acheter un terrain villageois parce que c'est une belle opportunité, parce que le coût il est moindre et qu'il souhaiterait avoir ce terrain, nous on peut justement l'accompagner de façon sécurisée et par la suite lancer les formalités administratives de la CD. Voilà, c'est possible. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ACD permet à beaucoup d'avantages. C'est-à-dire, avec l'ACD, on a la possibilité d'avoir un permis de construire, donc pouvoir construire sa maison ou son immeuble. Avec l'ACD, on a la possibilité de bénéficier, de demander, d'être éligible à un prêt bancaire auprès des organismes financiers en Côte d'Ivoire. Donc, c'est vraiment en fait un document qui permet en fait de pouvoir en fait ouvrir pas mal de ponts au niveau de système bancaire, voilà. Et mais on peut aujourd'hui acquérir un terrain sans ACD et en toute sécurité. Mais il y a des formes, il y a des procédures qu'il faut suivre. Et une procédure qu'il faut suivre, c'est-à-dire qu'au niveau de l'acquisition de ce terrain-là, il faut s'assurer que ce terrain, on est dans une zone approuvée, donc approuvée par l'État. Donc c'est-à-dire que c'est un terrain dont le lotissement est issu d'un arrêté ministériel d'approbation. C'est la première des choses. Et si le lotissement est approuvé, dans une seconde chose, il faut vérifier que le terrain, c'est-à-dire le numéro de lot qu'on veut acheter, est référencé au guide du village et que le cédant qui se présente à vous, son nom est bien enregistré en tant que propriétaire dans ce guide-là. Voilà. Et il faut faire cette même vérification également au ministère. Et lorsque cela s'est vérifié, on peut maintenant engager la mutation en présence d'un huissier de justice qui fera ce qu'on appelle le compulsoire du ciel, c'est un procès verbal où il va constater que vous êtes maintenant nouveau propriétaire et par la suite il va le notifier au ministère. Et une fois que cela est fait, on peut constituer le dossier d'ACD pour lancer l'ACD. D'accord, merci beaucoup. Juste une dernière, une avant-dernière question avant de conclure, ou bien si vous avez d'autres choses, mais je pense que vous allez le dire dans la conclusion. Vous avez parlé de terrain villageois. C'est ça. Terrain villageois en fait. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on sait ce qu'on appelle village. Mais je ne pense pas que vous parlez de village. Voilà, donc vous pouvez juste, parce que les clients confondent en fait. Non, je veux un terrain dans une zone qui est déjà habitée. Est-ce que les gens habitent là-bas? Est-ce que... Voilà, trop de questions. Par contre, les lotissements, je pense que si la zone est déjà habitée, il n'y a plus de lotissement. C'est ça. Si quelqu'un vend un terrain, c'est qu'il l'a acheté il y a 5 ans, il y a 10 ans, ou bien il a un problème. C'est ça. Donc les nouveaux lotissements sont toujours étendus. Est-ce que c'est ce que vous appelez village ou bien vous parlez? Exactement. Oui, c'est vrai que villageois, ce n'est pas forcément un terrain dans un village. C'est clair. Aujourd'hui, pour un exemple, à Angré, aujourd'hui, pour ceux qui connaissent Abidjan, pour qu'on dit Angré, au niveau jus, qui est une zone habitée, très habité parce que il y a même le nouveau CHU qui est là-bas. Là-bas, il y a des terrains qui ont une attention villageoise. Donc, on appelle en gris des terrains villageois. En fait, c'est un abus de langage. Un terrain qu'on peut appeler de terrain villageois, c'est un terrain qui, dont le titre de propriété est une attestation villageoise. C'est-à-dire c'est une attestation qui a été délivrée par la chefferie qui est propriétaire de la zone.
Voilà, donc c'est un document. C'est un document qu'on donne et c'est le premier document qu'on donne pour une parcelle qui n'a pas encore été vendue à une personne. C'est-à-dire, lorsque c'est une première parcelle qui est vendue pour la première fois, la plupart du temps, si elle n'est pas issue du ministère, il dispose d'une attestation villageoise. C'est ce qu'on appelle justement le terrain villageois. Sinon, le terrain villageois ne fait pas référence à la localisation, mais plutôt au type de propriété dont il dispose. D'accord. Et comme vous êtes beaucoup plus dans les terrains, oui. Juste qu'on va enchaîner directement avec les documents là, mm-hmm. et après on va vous donner le temps de conclure, et puis qu'est-ce que vous proposez aux internautes, qu'est-ce que vous, si vous avez un autre mot, mm-hmm. voilà les packages aussi au niveau des prix, quelques fourchettes aussi, d'accord. pour que les clients puissent avoir une idée. C'est ça. Donc déjà au niveau des terrains, vous nous dites mm-hmm. tous les documents qu'il faut, à mm-hmm. part la CD que tout le monde connaît, oui. mais les autres documents commencent par quoi, et après vous nous donnez vos packages, et puis aussi d'accord. Vous oui. si le directeur aussi a un mot, mm-hmm. mais il n'y a pas de souci, il peut le dire à la fin aussi, il n'y a pas de souci. D'accord. Oui, au niveau des terrains, en fait, on a deux choses, c'est-à-dire qu'on a soit des terrains qui disposent de la CD, et dans ce cas, c'est une mutation qui se fait pour qu'on puisse avoir... Sans vous couper la parole, les histoires de notaire aussi sur les terrains, ça existe? C'est ça, d'accord. Oui. C'est-à-dire qu'un terrain qui dispose déjà de la CD, il doit être vendu impérativement, obligatoirement devant le notaire. Ça, c'est la loi, c'est juridique. Donc, pour ce terrain-là, lorsque vous l'achetez, vous avez ce qu'on appelle le certificat de mutation de propriété foncière, donc c'est CMPF, voilà, qui a la même valeur légale qu'un ACD. Voilà. Donc, soit vous achetez un terrain avec un ACD, soit vous achetez un terrain qui a un document intermédiaire, qui peut être l'attestation villageoise dont j'ai parlé tout à l'heure, ou la lettre d'attribution, qui est une lettre soit du ministère ou de la préfecture qui a octroyé cette parcelle à une personne lambda. Voilà, donc ce sont les deux documents qu'on peut avoir sur un terrain qui ne dispose pas d'ACD. Donc voilà. Donc nous, chez nous, on a en fait un catalogue de plusieurs parcelles parce que nous, on travaille avec les aménageurs fonciers. Et dans notre travail, c'est-à-dire que dans notre procédure, ces aménageurs fonciers sont des aménageurs fonciers référencés en Côte d'Ivoire et qui ont déjà en fait des dizaines d'années d'expérience et qui nous donnent la distribution des sites sur lesquels nous avons déjà pour faire les vérifications. Donc ils sont déjà contrôlés, vérifiés, approuvés, parce qu'on ne commercialise pas des terrains non approuvés par l'État. Donc que des terrains approuvés et qu'on met à disposition. Donc dans ces terrains-là, on a des parcelles qui sont avec ACD. Et on a des parcelles qui n'ont pas encore la CD et qui sont avec attestation villageoise. Donc, nous, on propose les deux. Donc, c'est au choix du client. Mais tout compte fait, même si vous choisissez une parcelle qui n'a pas d'ACD, nous vous accompagnons immédiatement dès l'acquisition à l'obtention de votre ACD. Voilà, donc c'est systématique. Donc, quel que soit le choix que vous faites, que c'est avec ou sans ACD, nous vous accompagnons jusqu'à ce que vous ayez votre ACD signé par le ministre. Donc nous avons en fait des terrains au niveau de Mergerville qui sont à partir de 8 millions et plus en fonction de la zone. Nous avons des bordures lagunaires qui sont les plus chères avec ACD à 16 900 000. Nous avons à Chaucois des terrains qui sont autour de 8, 9, 10 millions. Nous avons également à Bassam, sur la route d'Assini, nous avons aussi à Jacquesville où c'est à partir de 5 millions de francs CFA, à Sombon également à partir de 6 millions de francs CFA, Yamsoukou également, on a des terrains à partir de 5 millions de francs CFA. Donc toute la zone en fait, la couronne d'Abidjan, donc nous proposons des parcelles et nous faisons également de la recherche personnalisée. Donc des personnes qui vont voir notre catalogue qui est disponible sur le site hein, www.mizodia.com, donc ils peuvent voir le catalogue et ne pas... On va mettre le site dans la description de la vidéo. C'est on ça. Va mettre le site et tout ce qu'il y a comme coordonnées. Mmh. Voilà. Donc si quelqu'un part sur le site, il voit les offres et qu'il il ne trouve pas son bonheur, comme on me le dit, il a la possibilité de nous contacter pour dire tiens, moi je souhaiterais une recherche personnalisée parce que je souhaiterais avoir un terrain dans telle zone et voici le budget que j'ai. On étudie la faisabilité et on lui fait des propositions sur mesure. C'est également possible. Donc voilà un peu ce que nous proposons au niveau des parcelles. Donc quel que soit le type de propriété, on accompagne directement à la CD. Donc pas de crête à ce niveau. D'accord. Et pour les maisons que vous vendez, terrain et maison, parce c'est que ça. C'est ça le vrai problème. Exactement. Le terrain c'est pour la maison, donc exactement. C'est ça aussi. Voilà. Oui. Donc nous faisons des packages terrain plus maison. Ça veut dire pour ceux qui ne veulent pas acheter des terrains et plus tard construire parce que c'est embêtant,
Vous pouvez aussi choisir chez nous le package terrain plus maison. Ça veut dire que vous allez choisir par exemple le package sur Benjerville. Donc on va vous proposer un terrain à Benjerville. À partir de combien de mètres carrés? C'est à partir de 250 mètres carrés le terrain. D'accord. Et la maison construite. Ça c'est lorsque c'est la construction. Lorsque c'est la construction, wow, c'est 250 mètres carrés minimum. Minimum, d'accord. Minimum. Mais il y a la possibilité d'acheter des mètres carrés supplémentaires. D'accord. Ça veut dire que si quelqu'un veut 500 mètres carrés, oui, il y aura un package de 250 mètres carrés avec la villa, oui, dessus. Donc, c'est-à-dire, nous, la villa, par exemple, 3 pièces, 2 chambres salon, oui, avec le terrain de 250 mètres carrés, à Benjamin, il est à 25 millions francs CFA, livré qu'il en même. Carrelage, carreau, porte, tout est posé. D'accord. Tout est posé, sauf les frais de notaire qui restent à sa charge. D'accord. Donc voilà, donc avec 5 millions de francs CFA, vous avez la maison de chambre salon et le terrain de 250 mètres carrés. Maintenant, vous pouvez acheter des mètres carrés supplémentaires si vous voulez porter votre terrain à 500 mètres carrés. Donc les autres, après, vous pouvez faire ce que vous voulez vous-même. Exactement. D'accord. Et quand c'est comme ça, les autres 250 mètres carrés, c'est négociable, le prix ou bien oui, comment vous faites? C'est négociable. Donc négociable. C'est négociable, ça dépend de la zone. Oh, avec okay. Benjamin, on est autour de 25 000 francs le mètre carré supplémentaire. D'accord. Après, voilà, en fonction du nombre de mètres carrés qui est souhaité, on peut le faire, on peut faire des offres. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, après les packages, c'est 25 millions pour les 3 pièces, 31 millions pour les 4 pièces, 3 chambres salon, les duplex à partir de 40 millions. Donc, on en a à Benjerville, à Bassam, Beaunois, Sombon, Jacquesville, Yamsoukro. D'accord. Et aussi, j'ai compris quelque chose que souvent, vous prenez en compte la demande des clients en fait. Des clients qui ne sont pas encore prêts, ils peuvent proposer leur budget, je l'ai vu, exactement, ils proposent leur budget et puis laissent leur contact, leur proposition, les zones où ils souhaiteraient. C'est ça. Et puis après vous étudiez comment c'est faisable, est-ce que c'est une information oui, qui est vraie? C'est ça, oui. C'est l'avantage en fait du programme immobilier que nous mettons en place. Ça veut dire que le programme immobilier, il est conçu pour avancer en fonction de la capacité financière de l'acquéreur. Donc, la personne a la possibilité de financer son programme jusqu'à 5 ans. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il choisit la maison, peut-être 3 pièces de 25 millions, il va en fait définir quelle est la durée des livraisons. Est-ce qu'il souhaite partir sur 12 mois, 2 ans ou 3 ans? Il peut aller entre 8 mois, qui est le mois le plus tôt pour être livré, 8 mois, jusqu'à 5 ans. Donc, s'il part sur 5 ans, il aura un échéancier qui lui sera fait, où il va avoir en fait des appels de fonds au fur et à mesure des avancées des travaux. Voilà. Donc, ça lui permet de financer son projet à son rythme. Donc, voilà. Donc, plus il paye vite, plus la maison, le projet voilà, avance. C'est ça. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui souhaiteraient aller, par exemple, sur 2 ans, et au bout de peut-être 5 mois, ils ont une rentrée d'argent, oui, et qu'ils souhaitent finir rapidement, oui, lorsqu'ils payent plus vite, dans la maison plus tôt. Voilà, donc chers internautes, vous avez compris, ce n'est pas un programme immobilier étendu sur une zone spécifique où il faut attendre des autorisations pour venir faire les aménagements, tout ça avant de livrer les maisons en gros. Ça, ce sont des projets individuels sur mesure. Donc, tout va au rythme du client. C'est comme si vous envoyez de l'argent à votre cousin qui prend des entrepreneurs et qui va vous dire non, le maçon, vous avez une entreprise BTP en même temps qui est immobilier. C'est une entreprise qui travaille aussi dans le domaine de l'immobilier et aussi dans la sécurisation de vos achats de terrain et de vos achats de maisons. Donc ça, c'est une très belle opportunité. Je comprends pourquoi l'entreprise évolue facilement. Et donc, vous avez quand même un mot de fin. Et puis, juste une petite parenthèse au niveau des terrains aussi. S'il y a peut-être au moins une opportunité de payer un peu, est-ce que c'est possible aussi? Et comment ça se passe, les pourcentages? Et puis, vous pouvez conclure en même temps. D'accord. Alors, au niveau des terrains, oui, en fait, il y a la possibilité de le payer en plusieurs fois. Donc, en fonction de la zone. Parce que voilà, donc les modalités en fait diffèrent en fonction de la zone. Normalement, par exemple, sur Jacquesville, il y a la possibilité de le payer en 3 ou 4 fois. Donc, sur Yamsoukro également. Donc, tout va dépendre après de la zone qui est souhaitée. Lorsque c'est une zone où la demande elle est forte, mais l'offre elle est moindre, là, il y a moins de possibilités d'étaler en fait sur plusieurs mois. Mais on essaie toujours de mettre en fait, parce qu'on travaille également, par exemple, pour les personnes qui résident en France. On a la possibilité via un partenaire financier en France de leur permettre de pouvoir avoir un prêt bancaire directement en France qui leur permet de financer leur projet en Côte d'Ivoire. Donc ce sont des partenariats comme ça qu'on est en train de tisser
pour les personnes de la diaspora qui sont dans différents pays. Donc, on a fait avec la France, ça marche aujourd'hui. Des personnes ont des prêts bancaires jusqu'à 75 000 euros, donc il faut 50 millions de francs CFA, qui leur permettent de financer leur projet, leur maison en Côte d'Ivoire. Donc, on a des partenaires comme ça que nous avons qui permettent souvent, en fonction de l'étude de dossier, de pouvoir financer également le projet, donc ça, de pouvoir acquérir votre maison et après vous rembourser tranquillement également. Donc voilà, donc ça également c'est possible. Très bien. Et vos sièges sociaux? Alors, donc le siège social se trouve au niveau de la France, le siège social se trouve à la Côte-d'Oeuvre, donc en région parisienne dans le 93, donc 1 rue du 17 octobre 1961. C'est là-bas le siège social en France. Et ici, en Côte d'Ivoire, ça arrivera à Toban, derrière Toraké. Donc, vous avez ici le musée à Côte d'Ivoire. Il faut savoir aussi que nous sommes aujourd'hui dans 5 autres pays. Donc, nous ne sommes pas seulement en Côte d'Ivoire, nous sommes aussi au Bénin, au Togo, au Sénégal, au Cameroun. Donc, voilà, ce sont des pays où nous sommes aussi également basés. D'accord. Donc, votre mot de fin? Alors, donc, pour finir, en fait, je voulais dire, en fait, aujourd'hui, nous travaillons, en fait, pour pouvoir sécuriser l'ensemble des projets immobiliers des personnes, quel que soit leur pays de résidence. Aujourd'hui, fort de ces années d'expérience que nous avons pu, nous avons tissé un réseau de partenariats avec un réseau de professionnels, de constructeurs, de cabinets de notaires, d'architectes, qui accompagnent ces clients-là, donc tous ces clients qui sont en fait aux États-Unis, en Europe, dans la réalisation de leur projet. Donc nous sécurisons leur projet, nous leur permettons justement, et c'est quelque chose que je n'avais pas signifié, mais nous avons mis en place ce qu'on appelle en fait la conciergerie des chantiers, qui est dédiée aux personnes qui font de la construction. C'est-à-dire que lorsque vous construisez votre maison, vous avez une équipe sur place dans le pays qui vous fait en fait des rapports hebdomadaires en ligne dans votre espace client. Donc nous avons une plateforme dédiée où vous avez des photos et des vidéos qui sont postées chaque semaine où vous suivez l'avancement de votre chantier. Lorsque les fondations avancent, à la fin de la semaine, vous avez déjà, à partir de votre smartphone, vous pouvez consulter dans votre espace client les photos de l'avancée, le pourcentage d'avancement. Si vous avez des questions, vous avez une messagerie instantanée pour directement échanger avec l'entrepreneur. Donc voilà, donc nous avons aussi digitalisé le suivi pour permettre aux personnes qui sont à l'étranger de pouvoir, depuis le lieu de résidence, suivre en temps réel l'avancée de leurs travaux. Donc voilà, donc, je vous invite à vous nous consulter, à consulter notre site internet pour plus d'informations. Et donc voilà, je vous remercie aussi. En tout cas, merci beaucoup. Et je sais que les internautes vont se joindre à moi pour vous dire un grand merci pour tout ce travail que vous faites. Vous avez juste un chiffre, à peu près combien de personnes depuis 4 ans, les réalisations à peu près? Alors, donc aujourd'hui, en fait, on est environ entre 90 projets réalisés. 90 projets réalisés. Ça c'est super. Voilà, donc on a possible dans nos réalisations puisque aujourd'hui pour vraiment inspirer confiance et aussi pouvoir rassurer, nous faisons en fait des visites aussi de nos réalisations. Donc, c'est-à-dire les personnes pouvoir en fait souscrire parce que c'est un projet individualisé. Donc les projets individualisés, on n'a pas de maison témoin parce que le plan il est sur mesure. Exactement. Donc ce que nous faisons, c'est que nous faisons des tournées de visite de réalisation. Exactement. Donc ça peut donner des inspirations, ça veut dire que si la personne est en contact sur place, oui, on peut lui faire visiter nos réalisations. Exactement. Si il tient à bien cette maison, elle me plaît bien, voilà, voilà. Donc on fait cela. Donc c'est pour rassurer, pour montrer qu'on existe vraiment, on est fiable et on vous invite juste à nous confier votre projet. D'accord. Et nous, on le construit en toute transparence. Je pense que le message est passé. Merci beaucoup, M. Manza. Donc, Monsieur Ouattara, le directeur, qui va vous dire quelque chose. D'accord, donc merci pour votre temps de parole. Donc, comme M. Manzan, fondateur, a bien s'y présenté, nous tenons en tout cas à rassurer tous nos prospects, tous les clients en fait, que ce soit de la diaspora ou ici en Côte d'Ivoire, et que nous, Isodia, sommes là, nous sommes la solution en fait digitale qui permet en fait de réaliser un projet de bout en bout. Donc nous demandons aussi, nous disons aussi merci à tous les clients, à tous les prospects qui nous suivent depuis nos différentes plateformes, qui ont eu confiance en nous, qui donnent en fait ce boom-là à cette jeunesse qui a envie en fait de réaliser de belles choses et qui est vraiment motivée à faire du sérieux dans ce domaine-là, où on constate qu'il y a beaucoup en fait de dysfonctionnements. Donc on tenait à les remercier.
Nous sommes à Douban, à la Rivière 2. Nous nous posons en vrai, vous pouvez passer pour toutes les informations nécessaires. D'accord. Donc, juste une petite, un dernier mot. Les Ivoiriens résidents aussi peuvent souscrire. Oui, hein. Les gens qui ne sont pas forcément à la diaspora. En fait, pour la petite histoire, il faut savoir qu'au début, oui. Vous voyez sur ce prospectus-là, on avait uniquement le numéro de France. D'accord. Voilà. Donc, on avait en fait des personnes de la Côte d'Ivoire qui nous appelaient, qui appelaient directement la France via ce numéro-là. Donc, on s'est dit, tiens, c'est vrai que le projet est monté sur la diaspora. Donc, nous-mêmes sommes issus, mais il y a peut-être en fait un besoin ici au niveau local, ce qui a été constaté derrière. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Et moi, ce que j'apprécie, c'est que toute l'équipe est jeune et ça fait 4 ans que vous travaillez sur des projets. J'ai eu le temps de visiter plusieurs terrains, vos terrains de Grand Bassam, les terrains de Benjerville. Sous la pluie, j'étais avec, avec M. Bligui. Voilà pourquoi moi-même, ça fait la 3e fois que je viens dans vos locaux. Le directeur, il était en France, le cofondateur, M. Manza. Aujourd'hui, j'ai eu la possibilité de le croiser moi-même. Voilà pourquoi nous avons profité de sa présence pour faire vraiment l'émission. Merci beaucoup. Et puis, voilà, pour tout ce qu'il y a comme renseignement, vous pouvez directement aller sur le site et vous trouverez le numéro. Vous contactez le service commercial et toutes vos demandes sont prises en charge. Merci et puis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye.